Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un produit qui m'intriguait énormément et que donc j'ai. En fait, j'ai eu un mail il n'y a pas très longtemps d'une marque qui voulait reprendre le concept du mascara 3D. Donc j'ai reçu leur mascara 3D. Donc en fait, donc il y a un gel transparent et ensuite il y a des fibres pour justement faire un effet fossile. Donc je n'ai jamais testé, je voulais faire absolument la démo avec vous pour voir ce que j'en pense, vous le conseiller ou pas. Et bien sûr, vous dire le prix, où est-ce que je l'ai acheté et tout ça. Mais ça sera à la fin de la vidéo. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est je vais me maquiller comme d'habitude. Et au dernier moment, au moment où je mettrai mon mascara, et ben je mettrai celui-là. Et je viendrai vous montrer le résultat avec un mascara normal, donc avec mon mascara normal, et le résultat avec le mascara 3D de chez Unique. Voilà. Donc je maquille, je vous retrouve. À tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon trait d'eyeliner et mon crayon noir dans ma muqueuse. Donc je vais commencer sur cet œil-là. Je vais faire donc mon mascara traditionnel. Donc je vais tout simplement me recourber les cils et appliquer mon mascara de d'habitude. Et j'applique mon mascara qui est de chez Bourjois. Alors franchement, pour un mascara entre guillemets de supermarché, c'est un des meilleurs que j'ai trouvé. Il fait pas de paquet, mais bon, il n'est pas non plus. Il n'est pas non plus génial, génial. Donc voilà pour l'œil avec le mascara normal. Donc en fait, ça recourt plutôt assez bien les cils. Ça donne de la longueur, mais il manque vraiment de volume. Et c'est vraiment. C'est simple, on va dire. Et moi, je voudrais quelque chose de plus sophistiqué quand j'ai envie vraiment de faire ma belle et de bien me maquiller sans mettre des faux cils parce que ça me gêne énormément. La colle, c'est juste pas du tout agréable. Et vraiment, je cherchais vraiment une alternative. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, alors, eux, ils conseillent dans les instructions donc de mettre une couche de mascara normal et ensuite de commencer le rituel des petites fibres et du gel. Donc je vais faire comme ils disent, je vais recourber mon œil gauche. Le recourber un maximum parce que c'est ça qui va faire que il va être bien étoffé, bien joli. Si vous courbez pas vos cils, ça servira absolument à rien. Donc voilà, ensuite je mets une couche de mon mascara traditionnel, vraiment très très fine, histoire de fixer les cils. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir, voilà. Donc moi, j'ai reçu tout simplement comme ça. Alors il y avait l'option avec la boîte, mais c'était plus cher et je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup, j'ai tout simplement pris les deux sans la boîte. Donc le premier qu'on a, c'est le Transplanting Gel. Donc c'est tout simplement en fait un espèce de mascara gel noir, comme ceci, qui va permettre d'adhérer les fibres. Et là donc c'est les fibres justement, donc c'est des petites fibres noires, comme ceci. Donc voilà, alors c'est de la marque Unique et franchement ça a vraiment l'air d'être de la mort. J'espère que ça va être génial. J'espère ne pas être déçue. Donc on va commencer maintenant. Donc je vais commencer avec cet œil-là et je vais laisser cet œil-là normal avec le mascara traditionnel. Donc on prend du gel, une couche de gel, on l'applique bien sur tous les cils. Vraiment très important de ne pas oublier de cils. On les sépare bien pour pas que ça fasse des paquets. Voilà. Et ensuite, on vient ouvrir les fibres le plus vite possible parce que sinon ça va sécher et on vient mettre sur
les cils ou on a mis. Voilà, donc une première couche. Moi, je vais mettre deux couches pour vraiment un effet qui pète. Alors, je vais vous zoomer un peu. Donc déjà, niveau longueur, on peut remarquer que c'est déjà quand même beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est les fibres en fait qui rajoutent de la longueur comparé à l'autre qui est quand même beaucoup moins, comment dire, étoffée. Donc pour l'instant, je suis plutôt pas mal convaincue. Donc on va voir avec une deuxième couche, déjà. Donc je vais attendre un peu que ça sèche. Alors franchement, déjà, c'est hyper, hyper pratique à appliquer. Alors au début, j'avais un peu peur que les fibres tombent de partout. Et en fait, pas du tout. Donc il faut tout simplement faire attention. Mais vraiment, déjà, c'est super simple d'utilisation. Donc même si vous n'êtes pas très très doué, vous pouvez... Donc j'attends bien que ça sèche. Qu'est-ce que tu manges, toi, bébé chien? T'es toujours en train de faire des bêtises. Hein. Je vais reprendre une couche de gel noir que je vais mettre sur tous les cils. Et je vais remettre une bonne couche de fibres. Voilà, donc il y a des petites chutes, c'est normal, c'est parce que il y a des endroits où ça n'accroche pas forcément bien de partout. Donc, le résultat. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment génial parce que ça, ça fait vraiment une jolie longueur de cils, mais ça reste très très naturel. Donc franchement, c'est un super mascara si vous avez des cils... à plat plat, si vous voulez la qui arrête si vous avez des cils tout à plat plat et que vous voulez vraiment du volume et tout en restant naturel et sans porter de fossiles, c'est vraiment un combo génial. Alors moi je suis hyper lâche ça, je suis juste hyper convaincue, je suis désolée, il y a mon petit bébé chien qui arrête pas de faire des bêtises. Je suis juste hyper convaincue de ces produits là. Je suis contente d'avoir fait ce petit partenariat. Donc, en fait, c'est, entre guillemets, une marque. C'est, je dirais pas que c'est une copie, mais c'est, en fait, ils ont repris exactement le même concept que la vraie marque qui s'appelle aussi Unique. Donc, entre, oui, ça veut dire que c'est une copie, si vous voulez, que j'ai eu sur le site AliExpress. Donc, j'ai payé 4 euros et des brouettes, je crois. Donc, ça fait 5 euros pour les deux. Étant donné que le vrai... mascara 3D de cette marque-là coûte 39, 30 et quelques euros. Je me suis dit, c'est le seul moyen de pouvoir tester le mascara, c'est de pouvoir l'acheter sur AliExpress, parce que de toute façon, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Alors, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de là, moi, où je l'ai acheté sur AliExpress. Sachez que moi, je l'ai reçu en une semaine et demie, deux semaines. Donc, vraiment, les délais, ça varie. Des fois, vous pouvez le recevoir très rapidement, mais des fois, lâche ça! Mais des fois, vous le recevez très tard. Donc, ça dépend du vendeur que vous sélectionnez. Je suis désolée si j'arrête pas de buer dans ma vidéo. Mais... et donc, voilà. Franchement, le résultat est juste génial. Je suis hyper convaincue. Je crois que ça va être mon mascara de tous les jours. Parce que, en fait, j'avais très peur que ça fasse très pas... Enfin, j'avais peur que ça fasse pas naturel. Et qu'on voit les fibres, etc. Alors qu'en fait, on dirait vraiment des cils. Et je trouve ça juste... Juste, ça fait vraiment une longueur de cils vraiment super, quoi. C'est, je veux dire, c'est quelque chose qui fait très naturel, quoi. Voilà. Donc, je suis juste hyper convaincue. Donc, un gros j'aime sur ces produits-là que je rachèterai, ça c'est sûr. Parce que j'adore, totalement, j'adore. Donc, voilà, je vous le conseille vraiment si vous voulez un mascara naturel, mais en même temps qui vous galbe bien les cils. Et quelque chose qui ne soit pas trop loin, parce que des fossiles au quotidien, il ne faut pas non plus déconner, quoi.
Donc voilà pour cette petite revue sur le mascara 3D de la marque Unique. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles!